Voici les mouvements que nous allons apprendre dans ce cours. Sera la réunification des cinq éléments. Les cinq éléments sont les cinq matières de base décrites dans la culture traditionnelle chinoise, à savoir métal, bois, eau, feu et terre. Ici, on utilise cinq déplacements pour symboliser les cinq éléments et on finit le mouvement par une ligne. Maintenant, voyons ce mouvement. On part du mouvement précédent. On se lève. On ramène la main gauche sur le devant du bras droit, puis on décroise le pas derrière. Ensuite, on tourne la taille, le tronc et on amène l'éventail à gauche, puis à droite. On avance le pied droit avec la pointe tournée vers l'extérieur. Ensuite, on avance le pied gauche. Troisième pas, on avance à nouveau le pied droit. Quatrième pas. Et on avance encore, au total, 5 pas. On fait passer l'éventail vers le bas, on ramène la main gauche devant l'épaule droite et on ramène la jambe droite. Ensuite, on fait le coup de pied du lotus. La main gauche tape le dessus du pied, puis on dessine une courbe de bas en haut avec l'éventail. On ouvre les bras et on passe en position du cavalier. On refait ce mouvement. On se relève, on ouvre la jambe et on décrit une courbe vers l'extérieur. On ouvre le pas, on ferme le pas, puis on ouvre à nouveau le pas et on ferme à nouveau le pas. On passe l'éventail, on ramène la main, on ramène le pied. On fait le coup de pied du lotus, on repose le pied et on ouvre le bras droit. Faites-le avec moi, la réunification des cinq éléments. Maintenant, voyons le retour au tai chi. Il s'agit de l'avant-dernier mouvement. Il demande à descendre le qi, énergie ou souffle, dans le bas-ventre, de rééquilibrer le yin et le yang et de revenir à l'état initial. Pratiquons ce mouvement ensemble. Éventail dans la main droite, on appuie du dessus de la tête vers le bas, ainsi le qi descend dans le bas-ventre. On refait une fois. On réunit les mains, on appuie et le qi descend dans le bas-ventre, on enlace l'éventail en position du cavalier. Faites-le avec moi, le retour au tai chi. Ramener le souffle dans le bas-ventre, donnant au spectateur la sensation que l'on est calme et détendu. Pratiquons ce mouvement ensemble. On ouvre les mains vers l'extérieur, l'éventail est dans la main droite et se referme. On le passe à la main gauche et on change de main. Lors du prochain mouvement, lorsqu'on se redresse, les mains appuient vers le bas, le sommet de la tête pointe vers le haut et le qi descend. On ramène le pied gauche, pied joint, la tête tire vers le haut, on rentre le menton, les deux bras sont bien détendus et les mains sont en léger contact avec la face externe des cuisses. Allez-y avec moi, fermeture.
L'éventail a une fonction également très importante dans la vie sociale. Dans la Chine antique, l'éventail était un accessoire qui reflétait le rôle social des lettrés. Dans l'Antiquité, les femmes ne devaient pas montrer leurs dents quand elles riaient. À chaque fois qu'elles riaient ou qu'elles étaient embarrassées, elles pouvaient utiliser leur éventail pour se cacher. Lorsqu'elles étaient en mauvaise santé, elles pouvaient aussi l'utiliser pour cacher leur visage flétri. En Europe, les femmes de bonne famille utilisaient un éventail pour exprimer leurs sentiments. Cela a créé une étiquette sociale de l'éventail unique. Par exemple, lorsqu'une jeune femme cachait le bas de son visage avec l'éventail, cela signifiait qu'elle vous aimait. Si elle l'agitait doucement devant sa poitrine, alors elle n'avait pas encore de compagnon. La culture traditionnelle chinoise recherche l'atteinte d'un certain niveau spirituel. Elle met en valeur l'intérieur des choses. Pour le pratiquant du Wushu, la double étude de la culture et des arts martiaux correspond à un niveau élevé. Dans l'Antiquité, beaucoup d'experts du Wushu étaient aussi de grands musiciens. Pratiquez l'enchaînement des mouvements avec moi. Voyons les points clés de la réunification des cinq éléments. Ce mouvement est surtout un exercice pour les déplacements et les techniques du corps. Il est assez complexe. Nous allons le décomposer. On commence par pratiquer les pas, puis les mouvements des mains. On essaye la décomposition. On commence par les pas car les déplacements sont primordiaux. On met de côté les mouvements des mains pour l'instant. On ouvre le pas, on ferme le pas, on ouvre le pas et on referme le pas. L'ensemble du mouvement comprend 5 pas en tout. On le refait une fois. Regardez les pas à partir d'ici. Un pas. Deux pas. Trois pas. Quatre pas. Et 5 pas. Après avoir fermé le pas, on fait passer l'éventail. Lors du passage de l'éventail, on recule, puis on ramène la jambe. Ensuite, il y a un coup de pied du lotus. Pratiquons-le séparément. Faisons-le d'abord une fois. Après avoir posé le pied, on ouvre le bras de l'éventail. Quand on a bien compris les pas, on peut rajouter le mouvement des mains pour arriver plus rapidement à un ensemble coordonné. Pratiquez avec moi la réunification des cinq éléments. Le retour au Taiji est l'avant-dernier mouvement de la forme. Il nous demande de descendre le Qi dans le bas-ventre, de rééquilibrer le Yin et le Yang et de revenir à l'état initial. Faisons ce mouvement une fois. L'éventail est dans la main droite, on appuie depuis la tête vers le bas. Puis le Qi descend dans le bas-ventre. On refait une fois.
On appuie avec l'éventail, le qi descend dans le bas-ventre et on enlace l'éventail en position du cavalier. Pratiquez ce mouvement avec moi, le retour au tai chi. Fermeture est un mouvement qui régule la respiration et où le qi descend dans le bas-ventre. L'ensemble du mouvement donne aux autres la sensation qu'on est calme et détendu. Maintenant, pratiquons ce mouvement. On ouvre les mains, l'éventail dans la main droite, on ferme l'éventail, on le passe à l'autre main et on change de main. Puis quand on se redresse, on appuie avec les mains, la tête pointe vers le haut et le qi descend. On lève le pied gauche et on le ramène lentement. Pratiquez ce mouvement avec moi. Fermeture. L'enchaînement de ces mouvements. Pour conclure ce cours, regardez l'ensemble de la quatrième partie de la forme du Kung Fu de l'éventail du style Kai Yuan. N'oubliez pas de pratiquer. On se retrouve au prochain cours.